Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'invite un masculin à me rejoindre pour ce nouveau tirage surprise. Allons-y tout de suite, je pars à sa recherche. Avec cet œil qui voit tout. Allons-y. Je cherche un masculin. J'en profite pour vous remercier pour votre soutien, implication sur la chaîne, j'apprécie beaucoup. Je cherche un masculin. Il s'en vient. Le voici, attendez. Il arrive. Pose de l'œil. Eh bien, on me présente la fille de joie. Quel est le mot qui accompagne cette femme? Qui est associé au plaisir? Plaisir sexuel. Allons-y. Nu. Continuons d'explorer. Nu, dévoilement, mise à nu. Bon, on veut nous dire quoi d'autre? Je vais déposer une carte. Une carte rose par curiosité ici. Bon, qu'est-ce qu'on veut nous dire? Donc, il y a un dévoilement. Nu, plaisir. Sexuel. Quoi d'autre? Ah, ici, on nous dit attention. Les petits drapeaux rouges. On est en train de me présenter une personne qui veut se réconcilier et il y a tout de même une mise en garde. Il y a tout de même une mise en garde. D'après moi, il s'en vient très bientôt. Oui, il s'en vient très bientôt. Nouvel amour, c'est ce qu'il a le goût de vivre. Est-ce qu'on peut lui faire confiance? Là est la question en ce moment. Bon, qu'est-ce qui a bien pu se produire? Est-ce qu'on peut lui faire confiance? C'est un masculin qui aime bien s'amuser, on l'a vu, qui veut se réconcilier, mais il y a tout de même un avertissement, les petits drapeaux rouges. Il revient pour jouer, pour le plaisir. Est-ce qu'on peut lui faire confiance? Une conversation, communiquer, il veut parler, il veut exprimer ses sentiments. Pouvez-vous lui faire confiance? Donc, il veut se rapprocher pour se réconcilier. Je vais déposer une carte ici. Jouer, s'approcher. Est-ce qu'il est en train de se mettre au clair avec lui-même? Il est peut-être en train, là, d'évaluer sa situation. On nous parle ici de changement, nouvel amour, une nouvelle personne ici qui réveille nos sentiments amoureux. Il veut communiquer, communication cœur à cœur. Il veut que tu lui fasses confiance. Il éprouve une attirance, une forte attirance pour une personne. Ici,
On veut nous dire quoi? Mise à nu, d'accord, il revient. On nous dit, il y a une mise en garde ici. Bon, est-ce qu'il a eu recours? Est-ce qu'il a eu recours à des services? Des filles de joie? Des escortes? Ça se peut? Est-ce qu'il a joué dans l'interdit? Est-ce qu'on me parle de prostitution, de travail? On nous parle de quoi ici? Il y a tout de même une mise en garde. Donc là, on nous dit quoi? Réconciliation. C'est une personne qui aime bien s'amuser. Oui. Cœur d'enfant qui aime jouer et qui se rapproche très bientôt. Très bientôt. Oui. Il veut communiquer avec vous. Il veut que vous puissiez lui faire confiance. Là, c'est un tirage d'un masculin. Donc, ce masculin se rapproche d'une certaine personne. Il veut se réconcilier. Continuons. Intuition à l'envers et nouveau commencement à l'envers. Bon, aidez-moi à comprendre. Parce qu'ici, on nous parle de cachotterie, des petits secrets. Cachotterie, peut-être aussi un double visage, hypocrisie, jouer dans le dos de l'autre. Il ne sait plus quoi faire dans la situation. Il est bouleversé, chamboulé, ébranlé. Il y a eu une fin soudaine, un changement soudain, la fin des échanges, la fin d'une communication. Et là, on nous dit qu'il a mis fin aux échanges avec une autre femme. Énergie d'une femme, énergie d'une mère. On nous parle de séparation, de rupture. Quelque chose s'est terminé soudainement, ça s'est passé rapidement. Il veut la paix, il veut retrouver son équilibre. Il veut la paix. Donc, il a mis fin aux échanges, aux communications, aux services d'une autre femme. Il éprouve du désir pour une femme. Elle l'allume. Il est stimulé. Il ne sait plus quoi faire. Je perçois tout de même ici la fin soudaine, des cachotteries et tout et tout. C'est vraiment éprouvant pour lui en ce moment. Oui, il veut se réorienter. Emprunter la voie du respect de ses valeurs, de ses croyances. Suivre son chemin à lui. Avoir la paix, paix d'esprit. Il y a un changement ici qui s'est produit soudainement, subitement concernant une femme. La carte de la tentation qui revient, on me présente un masculin très passionné, qui a beaucoup de charisme, un bel homme,
puis prends soin de lui. Juste une chose ici, je rencontre la ruse, la manipulation. Il y a une mise en garde. C'est ce qu'on nous a dit au tout début. Donc, on nous parle de fin, il veut avoir la paix, il a mis fin à une certaine relation. Il ne vous a pas oublié. C'est un masculin ici qui est prêt à beaucoup pour une certaine personne. Il y a quelque chose ici. On dirait qu'on dit pas certaine que c'est une bonne affaire. Si tu reviens là, tu te mets les pieds dans les plats. Là, on dirait que je parle à une féminine là. Il y a encore les énergies d'infidélité. Comme si, même si il dit, même si le masculin qui est ici dit à la féminine que c'est terminé, qu'il n'est plus avec l'autre, il n'a plus de contact avec une autre femme, même si il dit cela, qu'il s'est réorienté, non, il cache quelque chose. L'ombre qui revient, l'illusion. On dirait qu'il se présente, le masculin qui est ici se présente à l'autre comme, oui, il démontre sa souffrance, il est triste. Il n'est pas arrivé à tourner la page, à vous oublier, mais il y a encore quelque chose dans l'ombre. Je rencontre le mensonge, la manipulation. C'est un masculin qui a plusieurs tours dans son sac. Il a le tour de vous vendre ce qu'il souhaite vous vendre. Il a le tour de se vendre. Et on nous dit, indécision, lutte, on ne veut pas retourner dans des ennuis encore. Donc, il y a eu des problèmes avec cette personne. Donc, le masculin ici que je rencontre, la relation entre ce masculin et une certaine féminine semble avoir été compliquée ici. On doute, on ne sait plus quoi faire. Oh non, on ne veut pas retourner dans les problèmes, dans le passé, retourner là. Non, non, on va aller de l'avant. Il y a une personne seule ici qui a repris son pouvoir sur sa vie, qui va de l'avant, qui fonce, qui s'accomplit, qui entreprend ses projets et elle est indécise. C'est comme si de reprendre contact avec vous, avec ce masculin, c'est comme si c'était de retourner en arrière dans des problèmes, dans des choses qui se répètent encore. C'est comme si on me présentait encore des jeux de triangulaires qui reviennent, qui se répètent, comme si ce n'est pas terminé, ces histoires-là. Donc, des cachotteries, ça revient encore. Donc, il veut se réconcilier. Il dit que c'est terminé avec une certaine femme, qu'il va être vrai, loyal, vous respecter.
qu'il ne vous a pas oublié. Il est prêt à beaucoup pour vous. Ici, le masculin en met plein la vue à la féminine. Et la féminine que je rencontre a repris son pouvoir, poursuit sa route. Et elle n'a pas le goût ici de retourner en arrière dans les ennuis, les problèmes qu'ils ont pu vivre ensemble. Et les histoires de trois, de... ça revient ici, des histoires de... C'est pour ça qu'on m'a dit le petit drapeau rouge au début. Ce n'est pas terminé, ces histoires de sexe. Avec d'autres. Ce n'est pas terminé, ça, ces histoires-là. En tout cas, pas pour le masculin que je rencontre, ce n'est pas terminé. C'est un masculin très habile dans les jeux d'esprit, manipulation, mensonge. C'est ce que je perçois. Bon. Je vais piger une carte rose par curiosité. C'est comme s'il y avait, il avait un double jeu, double visage. Ce sont ses énergies. Je comprends ici l'idée de vouloir se réconcilier, vouloir que l'autre personne lui fasse confiance, mais je ne sais pas, c'est pas clair. Il n'est pas encore sorti de ses ennuis. Non. Et la féminine que j'ai rencontrée en regardant les cartes n'est pas intéressée à retourner dans le passé, à retourner dans des ennuis, un genre de schéma là, destructeur à répétition. Non, elle s'accomplit, elle a repris le pouvoir sur sa vie. Ça ne lui tente pas de retourner en arrière. Le mariage, la carte de l'union. Donc, probablement, c'est ça, là, on a été en couple avec cette personne. Il est marié, il cache un jeu, ce n'est pas clair, sa réalité n'est pas claire, il n'a pas fini son ménage. Il est en couple. Il cache. Double jeu. Double jeu. Double jeu. Ça dépend, hein? Vous le savez. Ce sont vos décisions. Je pense qu'il y a des addictions ici. New love. Oui, il veut s'engager, mais est-il prêt à s'engager? Là est la question. Je veux que tu me fasses confiance, mais dans les faits, là. Dans l'action. Dans l'action. Dans les paroles, c'est beau, il est prêt à tout. Mais dans l'action, dans le concret, je ne perçois pas une personne ici prête, libre, disponible. Il y a quelque chose qui n'est pas réglé. C'est pour ça qu'on me dit « attention ». Les petits drapeaux rouges. Je pense qu'il a encore du ménage à faire. Il revient parce que quoi? C'est le manque. J'ai perçu l'addiction tantôt. Le manque de sexe. C'est possible ici. C'est très possible. Il y a un double jeu. Il y a un double jeu. Un manque de tendresse, de contact.
Ce n'est pas clair, sa réalité n'est pas encore claire. Et la féminine que je rencontre, elle, elle va de l'avant. Identité. Une carte que j'aime. Je vous lis le message. Découverte de soi, authenticité et intégrité. On nous dit quoi? Il est important de rester vrai envers vous-même et de demeurer qui vous êtes. Il est temps de redécouvrir la vérité à votre sujet, ce qui vous rend heureux et ce dont votre âme a besoin pour y parvenir. Écoutez la voix en vous. Sachez que vous êtes guidé de la meilleure façon possible et que vous êtes sur le point de vous redécouvrir. Vous n'avez pas à vous cacher. Il est temps de vous tenir debout et fier. Votre identité représente qui vous êtes et vous êtes authentique et intègre. L'aventure de la vie a pour but la découverte de vous-même et la manifestation de tout ce que vous désirez et avez besoin. Prenez le temps de méditer et de vous relier à votre âme. Alors voilà. Et c'est ici que je vais prendre une pause. C'est important ici le retour à soi, se respecter de toute façon, en toute situation. Le retour à soi, prendre un recul, prendre le temps d'écouter à l'intérieur de soi si ça dit oui avec la tête, le cœur et le corps. Est-ce que je me respecte si je dis oui à cette personne qui veut se réconcilier, qui veut se rapprocher? Ici, je ressens le goût là, du plaisir, c'est très charnel. Il est en manque. Mais en fait, c'est correct le plaisir et que ce soit très charnel. Mais là, ici, en cette situation, j'ai rencontré les mensonges, le double jeu, l'hypocrisie. Je veux que tu me fasses confiance. Mais on dirait qu'il n'est pas réellement prêt, comme s'il n'avait pas réellement fini son ménage. Je veux m'engager, je veux repartir avec toi. C'est fini avec l'autre. Mais j'ai vu dans les cartes tantôt qu'il y a quelque chose qui revient. C'est comme s'il y avait une leçon qui n'avait pas été assimilée, là. C'est comme si son jeu va repartir. Il y a quelque chose ici qu'il a besoin de voir. Moi, la féminine que je rencontre, elle est seule, elle poursuit son chemin, elle s'accomplit. Et elle ne veut pas retourner en arrière dans des histoires et on dirait que ça plane encore. En énergie, c'est encore là. Alors voilà, je vais prendre une pause. L'important, c'est de vous respecter d'un côté comme de l'autre. C'est ce que je vois ici. Alors voilà. Je vous souhaite une belle journée. À la prochaine.